chaud. 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 Gentil de te voir ici, ça fait longtemps. Oui, bah, je suis là, ça fait 6 éditions que j'ai mon stand. Eh oui.
Franchement, ma mère aime toujours le floc que tu as fait. L'orchidée. L'orchidée, oui. Ah. Franchement, c'est super sympa. Ouais, c'est, à chaque fois je dis, il faudrait que j'en fasse pour proposer pour vendre sur mon stand. Cette année, j'ai fait des petites, petites fleurs en décoration comme ceci. Et puis cette année, j'ai fait des contours d'oreilles aussi. Ça, là, pour être dans la touche Japan Expo. Pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que le mizuki, s'il te plaît? Alors, le mizuki, c'est l'art japonais de faire des nœuds avec des cordes de papier. Oui. Vous avez ces cordes où à l'intérieur, il y a le papier washi. Oui. Qui est roulé. Et le fait qu'il soit roulé, ça le rend plus solide. Oui. On a plusieurs cas. On a le cas où il est entouré de fils de soie artificiels. Oui. Et puis, il a un petit gainage plastifié, oui. Ça fait un petit rendu un peu métallique et un peu plus brillant. Oui. Traditionnellement, ces cordes sont utilisées, comme je l'ai dit, pour faire des nœuds, oui. Pour décorer les enveloppes et les paquets cadeaux. Au Japon, l'emballage d'un paquet cadeau est aussi important que le contenu lui-même. Oui. Et plus un cadeau, si modeste qu'il soit, s'il est bien apprêté, va montrer l'attention qu'on a envers la personne auquel on va offrir le cadeau. Et cette volonté de créer un lien entre la personne qui offre et celle qui reçoit est représentée par ces fils de mizuki. C'est le lien entre les deux personnes. Et donc ça existe depuis combien de temps? C'est très ancien au Japon. À l'origine, c'était un diplomate japonais qui revenait de Chine. Ah. Avec un cadeau pour l'empereur qui était entouré de cordelettes de papier rouge. Mm. Donc ça remonte à vraiment à plusieurs centaines d'années. Et ça s'est propagé au niveau de la cour et après dans la population, le fait d'utiliser des cordes pour décorer les enveloppes et les cadeaux. Et donc là, je vois que tu as diversifié le mizuki en plusieurs. Je fais beaucoup de bijoux, d'accessoires pour les cheveux. Oui. Et j'ai fait. Là, je commence à faire aussi des éléments décoratifs. Oui. Comme les petits carillons. Oui. Et là, vous voyez que la petite cloche est faite avec les mizuki. Oui. Et je fais aussi des petites fleurs décoratives. On voit aussi vraiment les entrelacs, chaque pétale, le travail qui est fait. Mm-hmm. J'ai réalisé aussi un ensemble de bijoux de mariage. Ah oui. Donc vous avez ici le peigne. Ouais. Donc là avec les fleurs, le collier et les boucles d'oreilles. Ah oui, la totale quoi. Oui, voilà. Des modèles beaucoup plus modernes, en trois dimensions, on va dire, plus volumineux, mm-hmm. avec les boucles d'oreilles. Mais comme le matériel, c'est du papier, oui. Ça peut être volumineux, c'est très léger à porter, c'est très agréable. Est-ce que c'est fragile? Alors moi, j'applique une colle dessus. Oui. Bien sûr, il ne faut pas prendre sa douche avec ou aller à la piscine. Oui. Mais s'il pleut et qu'il y a quelques gouttes qui tombent dessus, ça risque rien. Magnifique le pan. Enfin, c'est Phoenix. Ah oui, fou, excellent ça. Donc tous les modèles sur mon stand sont réalisés, c'est fait main. Oui. D'année en année, j'essaye de me perfectionner encore et de trouver de nouvelles idées pour partager ma passion. Est-ce que tu peux donner l'adresse de ton site, s'il te plaît? Alors, pour le Facebook. Moment, j'ai une page Facebook. Bon, comme c'est ma passion, j'alimente au fur et à mesure. Mm-hmm. Et donc, c'est là. Okay. Mizuki Fantasy. Oui. Et je compte prochainement créer une petite boutique en ligne. Elle est en construction. Oui. Et puis, il faut que je trouve le temps de faire les photos, les descriptifs. Et proposer de nouveaux modèles sur dessus. Et donc là, je mettrai le chemin du site sur la page Facebook. Et donc un petit coup. Et on peut me contacter s'il y a des modèles sur ma page Facebook qui vous intéressent. Oui. Et je peux les faire sur demande. Okay. Et donc un coucou aux fans de Mizuki.
Ah bah si les fans de Mizuki, bah venez me voir. Oui. Et puis moi je s'ils recherchent des fils, j'en propose là sur mon stand des petits sachets de différentes couleurs. Formidable. Et puis là il y a c'est un lot de 6 couleurs, donc il y a toujours un noir, un blanc, parce que ça se marie avec toutes les couleurs. Et je propose aussi des fils brillants aussi. Merci bien. Bonne convention. Merci. Tiens.